des ballons dans les airs et un tablier autour du cou. À 79 ans, Carlos Elizondo a décidé de se lancer derrière les fourneaux. Une aventure que sa fille filme et diffuse sur YouTube. Et il faut dire que si est l'histoire originale de ce Mexicain originaire de la ville de Monterrey qui a conquis le public. En effet, après 7 années passées à travailler dans un supermarché, Carlos Elizondo a été contraint de rester confiné chez lui en raison de son âge avancé. Mais comment vaincre les nuits, en pleine pandémie de coronavirus? Le 25 mai, sa fille a créé une chaîne intitulée Tito Charlie et partagé sa toute première vidéo. Une recette à base de chorizo et de chili farci de 13 minutes, filmée à l'iPhone. Des tutos agrémentés de plusieurs emojis, et des commentaires, en espagnol, de la fille du chef, qui ne cesse de s'exclamer que Rico. À chaque étape de la création culinaire. Et si le concept est simple, les internautes ont vite adhéré. En effet, rapidement, la barre des 1000 abonnés a été franchie. Une reconnaissance pour Carlos Elizondo, papa de 3 enfants et 6 petits-enfants, qui a décidé de le célébrer en vidéo avec une flopée de ballons dans les airs. Sa bonne humeur légendaire, Carlos Elizondo l'a transmise au journal Reforma. J'ai toujours été positif, j'essaie d'aller de l'avant. Il n'y a rien qui est impossible, on peut toujours trouver un moyen. Le septuagénaire a tenté de tirer profit de ce succès en lançant sa ligne d'ingrédients qui inclut du fromage, du chorizo, et de la viande séchée. Une nouvelle vie à 79 ans?